Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes libérés, vous êtes relevés par le Seigneur. Voilà, c'est vrai qu'ils sont tentés de faire du mal, de se faire du mal. N'oubliez jamais à quel point Dieu vous aime, nous savons plus que tout. Ah oui, imaginez que, par exemple, tout le monde a la même heure, sauf un. Vous imaginez, à chaque fois que vous donnez rendez-vous, le même, il arrive toujours en retard, tout simplement parce qu'il ne s'est pas mis à l'heure. Franchement, dimanche, mettez-vous à l'heure de Dieu. Eh oui. Donc c'est une chance qu'on se retrouve pour louer encore à la messe, que ce soit ici ou dans votre église, peu importe. Mettez-vous à l'heure de Dieu, ne soyez pas... Voilà, il y a des décalages horaires qui vous plombent la vie, donc autant s'ajuster à Dieu, vous ne serez jamais déçus. Alors, aussi, il y en a beaucoup qui se préparent, vous savez, des jeunes et des moins jeunes, à recevoir le baptême, ou à recevoir la communion, à recevoir la confirmation. Il y en a même qui se préparent à se marier ici. On est vraiment dans une joie immense quand toutes ces personnes-là, elles mettent leur cœur à disposition de Dieu. Elles sont capables de se laisser toucher, rejoindre par Dieu. Parce que quand Dieu est au cœur de notre vie, il y a du bonheur pour nous et pour les autres. Alors que ce bonheur il soit contagieux, je vais vous donner la bénédiction. Mais juste avant, je voulais vous rappeler à quel point c'est important pour nous d'être là ce soir. De se retrouver depuis des années, hein. On a commencé en décembre 2008, longtemps. Depuis tout ce temps, on a à cœur de partager notre foi, de partager notre joie, et on espère que ça va durer encore longtemps. En tout cas, on y met tout notre cœur, et il y a de plus en plus de gens aussi qui viennent servir, qui viennent accueillir. Il y en a qui sont à la sono, il y a même Mayol, dont Benjamin parle à chaque fois, qui est au collège aussi, on peut l'applaudir. C'est lui qui s'est plus accueilli. Tous les musiciens, ceux qui sont là et ceux qui se forment. Et on vous remercie de donner généreusement de l'argent en sortant.